Donc on se retrouve dans la descente avec Rodriguez en allant vers Bellegarde. Donc Rodriguez, t'es bien gentil, mais c'est toi qui sais descendre, hein. Moi je suis une bille en descente. Et là faut que je récupère mes barres, moi. On va les coller. Pour remonter bah, la barre rouge, ça c'est bon, mais la barre jaune surtout. Ah, je galère hein, pour les suivre là. Il est vraiment mauvais Rodriguez hein, en descente. Allez. Non, moi j'ai pas à passer, moi. C'est toi le maillot jaune, mec. J'ai un petit peu regardé les statistiques au sprint. Donc Evans il a 65, Rodriguez 68 et Sanchez 68. Donc bah, j'ai rien à leur envier. Hein. Donc ça devrait pouvoir le faire. Et comme c'est une arrivée en côte quand même, enfin sur une petite butte. Les 3 en 80 hein, donc là il n'y a pas de souci. Voilà donc la barre jaune remonte quand même un petit peu. Elle a besoin d'au moins ça pour la fin quand même. Alors on va arriver au panneau des 10 km. Il va me faire ça jusqu'au bout. Hein. Alors, je suis concentré pour bien le suivre hein, parce que c'est en étant protégé là qu'on récupère un peu de barre jaune et puis bah, la barre jaune il y a quand même besoin pour la fin. Bon là c'est bon, moi, je pense que j'en ai assez. Mais bon, plus il y en a, mieux c'est finalement. Hein. Alors Schley qui fait quoi? Oh bah Schley qui craque. Il s'est fait reprendre par Nibali et dépasser même.
un petit relais pour pas trop les énerver quand même. Et puis Nibali, il est quand même pas bien loin là, hein. Allez, ça suffit. Alors, 6,5 km de l'arrivée. Donc ça va descendre encore pendant 3 km. Et après, on aura un petit plat et ça sera le final. Nibali, qu'est-ce qu'il fait? Il revient ou pas? Un petit peu quand même, hein. Allez, 4 km. Voilà, donc là il y a 2 km de plat et 1 km de côte. Donc moi je prendrai la route Sanchez. Quand même pas trop qu'on se regarde. Hein. 3 km. Donc j'ai aussi une petite pastille rouge à prendre. Donc elle, je la prendrai un petit peu avant la flamme rouge. Pas qu'elle me gêne pour le sprint. Attention, là on approche vraiment de la dernière petite côte. Donc là je vais vraiment mettre dans la route Sanchez. Ou alors je profite de mon gel pour faire une petite attaque. Je peux faire ça aussi. Hein. C'est pour ça que mon gel sinon va pas me servir à grand chose si je le fais pas. 1,4 km. Allez, je prends mon gel maintenant. Et puis je vais y aller comme ça. Voilà. Petite attaque gentille. Juste pour voir. Mètres, 500 mètres. Ah, j'arrive pas à me mettre à fond, putain, c'est pas possible. Ah. 400 mètres, 300 mètres, 200 mètres, allez, on y va. Oula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 l
En jouant des coudes, il n'y avait pas trop le choix là. Pouf. Ouais. Ouais, ils sont quand même costauds. Hein. C'est bon, alors, en tout cas, Schleck qui perd. Oh là là, Schleck qui perd du temps quand même. Ah non, je le vois pas, je le voyais pas. 28, ouais, 25 ou 28 secondes. Bon, bah, c'est toujours ça de prix. Hein. Donc, enfin, ceci dit, cette étape, elle est. Je pense que c'est la plus difficile à gagner, cette étape. Ils sont. Ils sont dopés, là, les ordinateurs, là. L'IA est complètement cheatée, là. Donc, je suis content d'avoir gagné, voilà. Bon, j'ai pas récupéré de temps. Enfin, si, une vingtaine de secondes sur Schleck, c'est déjà pas mal. Mais. Je crois que c'est la première fois que je la gagne cette étape. Ah, Voeckler, j'ai peut-être gagné avec Voeckler. Mais voilà, il faut un mec comme ça, ouais. Un mec qui soit super puncher à la fin. Je me suis dit, Rodriguez, c'est un puncher en or. Alors, ouais. Mais bon, je l'ai bien cramé dans le col. Bref. Ah, il y a encore eu du dégât quand même sur cette étape encore, hein. Alors, les classements. Donc 25, bah ouais, comme c'était inscrit, donc 25 sur Gesink, 28 sur Schleck et Perrault, 32 Wiggins, Van Aert, 36 Valverde, Brajkovic, Ejdal, Kounego, 44 Nibali, Menchov qui est là à 44, ça c'est bien, etc. etc. Voeckler, une 32. Bon, confort, je conforte le maillot à pois de Rodriguez. Un petit peu de points au sprint, ça fait pas de mal. Et meilleure équipe. 16 minutes. C'est énorme. Donc en tout, eh ben on passe meilleure équipe du coup. Ça c'est bien. Les jeunes on n'en a pas. Fréret toujours maillot vert. Rodriguez toujours maillot à pois. Et Rodriguez qui remonte quand même quatrième, ça c'est pas mal, à 1,35 d'Evans. Et Menchov qui remonte aussi 13e à 9,44. Bon, ça paraît quand même rédhibitoire. Et ben voilà, donc à bientôt pour la suite de ce Tour de France. Bonne soirée, ciao!